envie de faire quelque chose avec la fille, faites-le par passion. Parce que moi, je ne me suis jamais intéressé autant à un arbre qu'au figuier. Voilà, d'abord parce qu'il avait beaucoup de variétés, parce qu'il n'était pas comme les autres, parce que c'est un arbre qu'on ne peut pas couper pour le bois. Son bois ne sert à rien, vous ne pouvez rien faire avec. Le figuier fait ce qu'il veut. Donc, il y a 8 couleurs, une quarantaine de formes extérieures, et vous avez une cinquantaine de formes intérieures différentes. Ce qui fait que quand vous voyez la même figue, c'est la même, oui, c'est la même. Vous la coupez en deux, ah, putain, c'est pas la même. Que même si elle se ressemble bien, goûtez la figue. Et après, l'odeur de la figue. Quand vous l'ouvrez, l'odeur de la figue. Ça, c'est important aussi. Voilà. Et sachez que dans la figue, quand vous l'ouvrez, il y a les graines femelles et les graines mâles à l'intérieur. Les deux sont là. La fleur, c'est le fruit. Et on considère que c'est le premier arbre qui a été domestiqué par l'homme. C'est le figuier. Avant-hier, j'avais 48 variétés. Et aujourd'hui, j'ai 74 variétés que je viens de découvrir parce qu'on a le fruit. C'est-à-dire que tous les arbres qui n'ont pas le fruit, on ne connaît pas encore. Tout ce que vous avez là, c'est de l'inconnu pour l'instant. Sauf ceux que j'ai bouturés ici. Puisque là, quand je transmets un numéro à un figuier, automatiquement, je le répertore. Tout ça, c'est les figuiers avec leur numéro, leur nom, leur prise de bouturage, où ils ont été bouturés, quand ils ont été mis en pot. Voilà, tout ça, c'est les figuiers. Et ils s'arrêtent au 176. Moi, j'ai ramené tout le bassin méditerranéen, est là. Que ce soit la Tunisie, le Maroc, l'Algérie, la Libye, la Syrie, après toute l'Adriatique avec la Croatie, et après, exceptionnellement, la Suède, une variété, l'Angleterre, deux variétés. Et grâce à Tétri et à Evaleco, on a eu la chance de pouvoir s'installer. Et on a pu développer ça, et j'aimerais bien que ça continue. Et je voudrais surtout, quoi qu'il arrive, même si on arrive à acquérir un terrain, où on va enlever des arbres d'ici, mais il y aura toujours la même quantité d'arbres qui restera ici, parce qu'il faut qu'elle reste au côté pédagogique minimum. Ce qui fait qu'ici restera l'observatoire du figuier, et on mettra en place un verger. À partir de là, sachez que s'il y a des gens qui veulent participer, que l'on crée un groupe tous ensemble, il n'y a aucun problème. Moi, je suis ouvert à tous. Je suis arrivé à ce stade parce que j'étais passionné. Sinon, je ne me serais jamais embarqué là-dedans.